Salami Bongo Bongo esila Etika kinga Kala Mwana na pate Sali kolomola Sunu na mokili Yowame Yowame akufaki Ona mwana na pate La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Par des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir, seul le vrai évangile suffit, tout est gratuit. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Na pongo ya lelo toko fungula Babibili na biso na mkanda ya mwani seli Na mkapu ya zomi na mibale Nous allons lire du verset 9 au verset 12 Toko tanga bande tenye libwa Kume na tenye zomi na mibale Il fit jeter dehors Le grand dragon, le serpent ancien Appelé le diable et Satan Celui qui égare toute la terre Il fut jeté sous la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait, jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent ou gardent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Notre thème de ce matin est le suivant. La colère de Satan. Kanda ya Satana. Nous entendons toujours parler de la colère de Satan. Mais nous n'en savons pas grand chose. Les hommes connaissent souvent la colère de Dieu. Quand une calamité s'abat sur la terre, les hommes déduisent toujours que c'est la colère de Dieu. Mais la colère de Satan, les gens en parlent peu. Or, c'est cette colère qui attire aussi la colère de Dieu. Alors, ne pas en parler, c'est laisser libre cours au diable de pouvoir saccager les gens sur la terre. Aujourd'hui donc, Dieu a envoyé l'enseignement sur la colère de Satan. Alors tu vas découvrir, à la suite de cet enseignement, comment est ta vie. Tu es sous la colère de Dieu ou tu es sous la colère de Satan? Si tu es sous la colère de Dieu, que dois-tu faire?
Et si tu es la colère de Satan, comment faut-il faire pour subsister à cette colère? Et si tu es sous la colère de Dieu, comment faut-il faire pour échapper à la colère de Dieu? Nous avons lu, toi et moi, que Satan était au ciel avec ses anges. Fais lire tous les chapitres. On l'a chassé du ciel quand il s'est insurgé contre Dieu. On l'a précipité sur la terre. Et la Bible est claire qu'il est le dragon, celui le serpent ancien qui était depuis le commencement dans le jardin d'Éden avec Adam, qui a séduit Ève. Et puis, on l'appelle Satan. Satan, le diable. Zabolo. Alors, bongo. Et là, nous avons lu encore « Malheur aux habitants de la terre » parce que Satan est descendu contre vous. Et sachant qu'il a peu de temps, il sait que Dieu le mettra dans le feu. Mais en attendant que Dieu le mette dans le feu, Satan est descendu sur la terre pour combattre qui? La femme. Moi aussi. Et ses enfants. Moi aussi. La femme dont on parle, moi aussi, c'est l'épouse de Jésus. L'église du Seigneur. Église Nankolo. Et ses enfants, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu sur la terre. Quand toi tu crois en Jésus, tu prends la décision de suivre ces commandements, de les mettre en pratique. Satan devient ton ennemi. Satan va tout faire pour te combattre, pour t'empêcher de continuer à obéir à Dieu. Tous ceux qui sont sur cette terre, toutes les races confondues, quand quelqu'un choisit de faire le bien, s'éloigner du mal, il a déclaré la guerre au diable. Sache que Satan est devenu ton ennemi. Parce que lui est descendu sur la terre. Il veut que tous les habitants de la terre soient ralliés à sa cause et que son royaume et beaucoup de gens plus que le royaume de Dieu. Comme il s'était révélé contre Dieu au ciel, il veut que les gens aussi de la terre, les hommes et les femmes, ils se rebellent contre Dieu et ils obéissent à lui, le diable, le serpent ancien. Mais voyez-vous, nous avons lu que lui, il a peu de temps pour vivre. Celui qui est la vie éternelle, ce n'est pas le diable. C'est qui? Ah, il y en a qui le comprennent. C'est Jésus, c'est Dieu. C'est lui qui est le Dieu d'éternité. C'est pourquoi on l'appelle l'éternel des armées.
Mais Satan, lui, n'est pas éternel. Il est prédateur. Dieu le mettra à mort. Mais comme il sait qu'il a peu de temps, c'est pourquoi sur la terre, il a une grande colère contre ceux qui obéissent à Dieu. Voyons d'abord ce que Jésus a dit à ce sujet. Dans Matthieu 23, vous avez la Bible avec moi. Ouvrons dans Matthieu 23, du verset 33 au verset 35. Nous allons lire ce que le Seigneur dit. Le Kamukolo a dit Koloba. Serpent, reste du père. Noka, le beau père du Tupa. Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des spécialistes de la loi. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous fouetterez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Berechia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. Amen. Suivez avec attention, c'est un enseignement qui peut sembler très compliqué. Jésus s'adresse aux pharisiens qui étaient devant lui. Il leur dit, vous, Binon, race de vipères. Libota, yabitupa. C'est-à-dire race de serpents. Et lui, avec Libota, yanoka. Vous êtes les enfants de qui? De diable. Mais le banana nani? Banana sapo. Parce que c'est lui, nous avons dit, qui était le serpent depuis le commencement. Alors le diable a ses enfants sur cette terre. Bongo zabolo avec la banana nani na mukili oyo. Des hommes et des femmes qui sont ses enfants. C'est-à-dire en qui le diable a aussi mis son esprit pour lui obéir et faire du mal aux gens. Et faire du mal à qui? Les gens qui obéissent à Dieu. Les prophètes, les prédicateurs de l'évangile, les fidèles de Jésus-Christ. Jésus avait déjà dit cela. Vous allez tuer ceux que je vais envoyer. Ceux que vous avez tués depuis le commencement. Jésus parle de Abel. Alors, qui avait tué Abel? Oh, oui, c'est que vous n'avez pas compris l'enseignement. C'est Satan. Qui avait tué Abel? C'est qui? Satan. Satan. Heureux les oreilles qui entendent ce que vous entendez ici. Ce sont des grandes révélations que le Seigneur envoie. Mais vous êtes encore avec lui. Ça va aller dans le monde entier. C'est Satan qui a tué Abel. Satan a dit Abomaka Abel. Parce que Abel obéissait à Dieu. Abel a bandé pour tout ça ensemble. Si vous lisez la Bible, ceux qui peuvent lire la Bible, on vous dira que Caïn était de qui? Était du malheur. Donc vous voulez que Caïn a zélaki à Namé, a zélaki à O et à Maïe le Mabé Zabolo. C'est-à-dire que Satan avait mis son esprit dans Caïn. Et lui, comment que Satan a tiré qui mouli monnaie qu'est-ce que Caïn a? Alors Jésus dit,
Vous avez tué Abel depuis le commencement. Sous l'ordre de votre père le diable. Vous allez tuer aussi le prophète Zacharie. Vous allez tuer encore d'autres même que je vais envoyer. Mais sachez que ce sang-là va tomber sur vous. Et Dieu vous jugera à cause de ce sang-là. Parce que vous obéissez au diable. Vous ne comprenez rien. Hein? Ouvrez dans Hébreu au chapitre 11. Hébreu 11. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît. Je veux que chacun d'entre vous connaisse la parole de Dieu. Du verset 36 au verset 39. Voici ce qu'il est dit là-bas. D'autres encore ont subi des moqueries et le fouet. Les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés. Sciés. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peau, de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Et dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans le désert et les montagnes. Dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela. Bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Alléluia! Vous avez entendu? Est-ce que Boyoki? Comment Satan a fait souffrir les serviteurs de Dieu? Les gens qui obéissaient à Dieu. D'autres ont été sciés. Comme Esaïe. Ils ont cherché à les tuer. Alors Esaïe a fui dans la brousse. Il est allé entrer dans un arbre qui avait un trou. Ceux qui cherchaient à le tuer, il est là dedans. Allez, prenez la scie. On l'a coupé là à l'intérieur. On a coupé l'arbre. Et lui aussi a été coupé. À cause de qui? À cause de Dieu. C'est le diable. Qui a tué tous ces gens-là? Parce qu'ils obéissaient à Dieu. Jésus, yes, quand il savait qu'il allait quitter le monde, voici ce qu'il a dit à ses disciples. Parce que vous embrassez l'évangile de Jésus, vous ne savez pas où vous en êtes. Dans Jean chapitre 15. Ouvrez votre Bible. Ce que je t'enseigne ici va l'enseigner aux autres. Jean chapitre 15. Du verset 18 au verset 21. Voici ce que Jésus dit. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait.
parce que vous lui appartenez. Comme vous n'êtes pas du monde, moi je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils me persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Amen. Amen. Bien-aimé, dit Seigneur, nous pouvons lire aussi au verset 23. Jésus dit, celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Qui déteste Jésus? C'est qui? C'est Satan. Satan. Là, vous commencez à comprendre. Toujours dans Jean chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, Jésus dit ceci: je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas, que ça ne soit pas une occasion de chute. On vous excluera des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir pourront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ici parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Est-ce que vous savez? La colère des diables vient sur les hommes qui obéissent à Dieu. Souvenez-vous de Jean le Baptiste. Il a baptisé les gens. Celui que Dieu a choisi, il a envoyé. Toi, va. Yo, va faire confesser les gens. Kende, aplanir les voies du Seigneur. Pour que lui il vienne après toi. Alors, tu vas baptiser tout le monde. Pour que leurs péchés soient pardonnés. Après, le Seigneur lui-même va venir. Tu vas aussi le baptiser. Jean le Baptiste est venu. Il a commencé à prêcher. Il a baptisé les gens. Et Jésus est arrivé. Jean voit Jésus. Il dit à Jésus: mais moi j'ai besoin d'être baptisé par toi. Toi tu viens pour que je te baptise. Jésus dit: accomplissons les Écritures. Baptise-moi. Satan, il observait. C'est Jean ici. C'est lui qui baptise le Seigneur. Au lieu de refuser, il baptise. Il a baptisé les gens. Beaucoup de gens, ils ont confessé leurs péchés. Ceux qui me servaient, ils ont abandonné le Bikobo. À cause de ces gens, il va voir. Satan est allé prendre son enfant.
C'est un appelé Kouzoua, moi n'en ai moko. Qui? Hérode. Là, nango, Hérode. Il faut l'arrêter. Et c'est pour quand tu as il parle contre toi. Azélo pour m'appeler contre yo. Que tu as pris la femme de ton frère. Et puis yo, je m'en sens de qu'on a yo. Allez, arrête-le. Allez, t'en dis, Hérode. Hérode. Arrêtez. Jean. Attendez ça qui, Yohani. Il a coupé la tête. A kataplié mon tout. Alléluia. Qui a coupé la tête à Jean? Satan. Là, on a kataplié mon tout à Yohani. Satan. Satan. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il était en colère contre Jean le Baptiste. Et comme Jean est en prison, on est venu lui annoncer. Non, nous sait qu'on va lui couper la tête. Jean n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas dit. Oh non. Pardonnez-moi. Je retire mes paroles. Il n'a pas commis l'imbécilité. Pardonnez-moi. Je demande la clémence. Non, non, je n'aime plus Dieu. Maintenant, moi aussi. Il est ami de non. Jean était fidèle à Dieu jusqu'à la mort. Il n'a pas trahi Dieu. Même quand il a vu la colère du diable. Jean n'a pas trahi Dieu. Même devant la mort. Jean n'a pas trahi Dieu. La colère des diables est une occasion de chute pour la plupart des gens sur la terre. Les gens se rebellent contre Dieu. Ils commencent à faire le mal. Oh, c'est ce que le diable attendait. Vous savez, Jésus avait des petits frères. Ces petites sœurs. Un jour, il prêchait. Il prêche. Atei. Qu'est-ce que Satan a fait? Le cambrin de Satan a fait qui? Satan est allé entrer dans tous les habitants de Jérusalem. Satan a fait qui peut à côté qui n'a qu'à être dans 29 ans de Jérusalem. Pour dire que Jésus c'était. Il chasse le démon par Bézébul. Le chef des démons. Et les gens ont accepté. Et ils sont venus m'en parler à sa maman. À ses petits frères. Que votre fils là. Jésus là. Il est devenu fou. Il commence à dire qu'il est enfant de Dieu. Allez l'arrêter, non? Marie, s'est levée, a pris tous ses enfants. Alors allez chercher votre yaya. Il est devenu fou. Ils sont arrivés là où Jésus prêchait. Allez, sors. Courant à la maison. Jésus a regardé. C'est le qui qui est ma mère? Maman Angai, qui est mon frère? Qui est ma soeur? Il a regardé ce qui était autour de lui. Il les a indiqués. Voici ma mère. Voici mon frère. Voici ma soeur. Ses propres frères. La Bible déclare qu'ils ne croyaient même pas en lui. Et que parce que tu as continué à le faire. Quand est arrivé le jour de la fête de tabernacle, ses frères disent à Jésus, parce que Jésus ne voulait plus monter en Judée. Il savait que Hérode, il cherchait à le tuer. Les gens sont venus lui dire, tu es ici en Judée. Hérode cherche à te tuer. Fuis. Jésus a regardé. Il a dit. Allez dire à ce renard-là.
que je chasse les démons aujourd'hui et je guéris les gens demain. Et le jour suivant, j'aurai fini. Alléluia. Allez dire à ce renard-là. Il a envoyé un message. Que je vais te vaincre dans 3 jours. Et puis, dans Colomba, c'est ma Mikolo Misato. Dans combien de jours? C'est ma Mikolo Boni. Mikolo Misato. 3 jours, ça coïncidait avec quoi? Mikolo Misato. La mort de Jésus dans les tombes. Mikolo Misato, dans le Kokana Namini, Nalimo Naye Soukat dans Konda. Il y avait combien de jours là-bas? Applaudissons fort. Jésus dit. Jésus Christ. Il dit. Alobi. Dites à ce renard-là. Dans 3 jours. J'aurai fini avec lui. Jésus savait que c'était le diable. Jésus savait que c'était le diable. Qui cherchait à le tuer. Mais il a envoyé aussi un message. Mais dans 3 jours. Je vais te vaincre. Dans 3 jours, je marche aujourd'hui, je marche demain, et le jour suivant, et dans 3 jours, Jésus a vaincu le diable par sa résurrection. Alors ses frères, ils lui disent, tu te caches ici. Celui qui va devenir célèbre, il va se faire voir. Va te faire voir à tes disciples. Nous ne sommes pas tes disciples. Va te faire voir à tes disciples. Va à Judée. Jésus les a regardés. Vous, le monde ne voyait pas. Mais moi, le monde me hait. Le chef du monde, c'est qui? C'est le diable. Parce que je rends donné le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. J'obéis au commandement de mon père. C'est pourquoi il me hait. Bien-aimé dit Seigneur, Jésus est venu obéissant à son Père. Mais Satan, dans sa colère, il a aveuglé sa maman. Il a aveuglé ses frères. Il a aveuglé ses soeurs. Ses propres frères étaient devenus contre Jésus-Christ. Dès que tu obéis à Dieu, Satan est capable de tourner toute ta famille contre toi. Appelle son fort le Seigneur. Jésus-Christ a vécu cela. Jésus-Christ m'a commandé de le même Marie, appelle Maria, qui avait reçu une révélation. On lui a même envoyé un ange. Je dis que moi je le moque. Satan l'a aveuglé. Ça ne peut être que la main de Mister. Satan est comme cela. C'est pas la cabane. Mais Jésus n'a pas faibli. Parce que c'est le maître de l'univers. N'est-ce pas découragé? Il a fait la main qui fait pépé. Il a dit. Allez Baki. Moi. Gai. Je vais le vaincre. Ma colonne gai. Dans 3 jours. C'est ma Mikolo Misato. Et il a vaincu. Bien salué Baki. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand il a vaincu le diable. Lorsqu'il a vaincu. Il est ressuscité. C'est alors. Que sa maman. Ses frères. Se sont convertis. Et aussi. Ils ont donné la force. De vaincre le diable. Bien aimé. Souvenez-vous, des fils, Jean et Jacques. Jean et Jacques.
Les deux fils de Zébédée, ils sont venus devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, Jésus, nous voulons que tu nous mettes à ta droite et à ta gauche. Quand tu viendras dans ton royaume, mets-moi à ta droite et à ta gauche. Jésus les a regardés. Lui a posé la question. Est-ce que vous pouvez voir la coupe que moi je dois boire? Ils ont dit oui. Jésus a regardé. Oui. Je vois que vous êtes capable de boire la coupe. Comme moi. Et puis ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, cela ne sera accordé que à ceux à qui le Père l'a réservé. Vous savez par la suite, quelques temps juste après le Saint-Esprit soit descendu le jour de la Pentecôte, Hérode a tué Jacques. Hérode a demandé Jacques, le frère de Jean. De quoi Jean? Il a envoyé les gens. A-t-il qui bateau? Arrêtez Jacques. Bon, Jacques, voilà. Il prêche le nom de Jésus. Tuez-le. Avec une épée. On a transpercé Jacques. Jacques est mort. Et Jacques a couvert Canaille. Comme Jésus avait dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe? Est-ce que vous pouvez mourir aussi pour moi? Est-ce que vous pouvez mourir aussi pour moi? Je lui ai dit oui, je vois, vous allez aussi mourir comme moi. Et il est mort. Jean le Baptiste, ton frère Jean. Il était un grand prophète. Il prophétisait. Il voyait toujours des visions. Il disait des choses terribles aux gens. Il a révélé tous les secrets des gens. Satan est entré dans les gens. Satan a compris qu'il n'a qu'à bâton. Il dit, il révèle trop le secret. Allez, arrêtez-les. Allez, arrêtez-les. Allez, on lui a ôté les yeux. On est allé le mettre sur une île de Patmos. Aveugle. Sans yeux. Mais il a continué à voir des visions. Avec les yeux de l'esprit. L'Apocalypse. A déclaré les yeux de l'esprit. Jean ne s'était pas rebellé contre Dieu. Jean tombe que la tasse. Ah, moi j'ai suivi Jésus. Mon frère Jacques. De mon grand frère. Il l'a tué. Maintenant moi aussi. C'est quoi, on m'a levé les yeux. Non. C'est Dieu là. Moi aussi je vais entrer dans la Maïkari. Moi aussi je vais entrer dans le franc-maçonnerie. Non. Ben. Ils sont restés fermes. Ils savaient que c'était la colère des diables. C'est la colère des diables. C'est pour un instant. Applaudissons fort le Seigneur. Mais toi, Cassio, à cause de la colère des diables, pour la caméra sabolo, tu as commencé à faire l'impudicité. Je sais, Bandico, ça le cobo. Tu as commencé à désobéir à Dieu. Parce que tu n'arrives pas à te marier. Et Satan, c'est lui qui fait cela. Parce qu'il connaît que tu pries. Tu ne veux plus faire l'impudicité. C'est lui, il connaît cela. Alors, c'est lui qui empêche aux hommes qui viennent te chercher pour t'épouser, de t'épouser. Parce qu'il est en colère contre toi. Mais au lieu de persévérer dans la prière, Jésus a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le diable. Persévérer. J'ai vaincu le diable. Et toi, dès que tu vois que le mariage ne vient pas,
Tu oublies que c'est le diable qui est en colère contre toi. Tu vas aller dans un libale Yakatovanda. Dès que tu vois que le mariage ne vient pas, tu te dis, peut-être parce que j'ai un teint un peu foncé, il faut que je vienne métisse. Tu vas chercher des produits. Change la couleur de peau. On change la couleur de peau. Satan se frotte les mains. Ça va la se la bêtise mabocco. Il va te donner le cancer. Alors que ça y est malade à cancer. Une fois tu te dis. Tu as le baby. Si je n'arrive pas à trouver un bon mari. C'est que la copie peut pas la cause de la malade. C'est parce que je n'ai pas de longs cheveux. Et je peux pas dans la basse comme la yipe. Que j'ai cherché les cheveux de blanc. Là que nous nous casse des femmes blanches. Si qu'à basse la mindele. Je veux mettre ça sur ma tête. Je veux ressembler à une métisse. Comme ça, les hommes, ils vont perdre la tête en me voyant. Vous savez, est-ce il y en a même qui portent les cheveux des femmes qui sont déjà mortes. Il y en a même qui portent les cheveux des femmes qui sont déjà mortes. Il y a une sœur qui a une vidéo ici. Sœur, pourquoi vous avez une vidéo, Moko? Cherchez-la même à la fête du culte. Bon, le sœur n'a pas su comment y en gagner. Même Jacques Comer en a ça aussi. Après Jacques Comer, vous pouvez y en gagner. Qui est allé porter les cheveux d'une femme? Elle ne savait pas qu'elle était déjà morte. Moi, c'est la première fois que je suis qui a moi si mon cœur est pété. Quand le sucre en a moi, c'est la sœur qui fait qu'on aille. On lui a bien mis cela. Mais ces cheveux-là, il y a des maladies terribles là-dedans. Cancer de peau. Cancer dans le poisson. Des microbes terribles. Bah, microbes, la femme a mis ça sur la tête. Elle savait tous les jours, ça piquait, ça piquait, ça piquait, ça piquait. Ah, comment ça peut être que ça soit bon? Un jour, on n'en pouvait plus. La tête lui faisait tellement mal. Quand on est allé opérer, pour regarder, l'engousseau est mangé toute la tête, à toute la peau de la tête. Bangoussou Babiel, le poisson sur mon tour. L'engousseau était dans la chair. Bangoussou Babiel, tu n'as qu'à me souligner, dans mon tout. On coupe les peaux. Bakati, dans le poisson. Quand on coupe les peaux, le bangoussou tombe. Dans le poisson, dans le poisson, bangoussou Babiel, dans le poisson. Vous savez, vous qui aimez ces choses. Si Satan qui t'a poussé à faire cela. Il est en colère contre toi. Il va te pousser à désobéir à Dieu. Non, comme Dieu t'a créé noir là avec les cheveux crépus, tu n'es pas belle. Pour être belle, il faut être comme une blanche. Qui t'a dit que tu n'es pas belle? La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est bon. Et pour nous, c'est dans la l'amour. Dieu a créé tout. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Il a tout créé. À quel âge le connaissons? Va dans la forêt. Tu vas avoir un bois blanc. Comme de l'ivoire. Tu vas avoir un bois rouge. Rouge comme le sang. Tu vas avoir un bois noir. Noir comme bois d'ébène. Attention fort au Seigneur. Bien-aimé, écoutez-moi ces choses. C'est lui qui s'oppose à Dieu. C'est le diable. Oui, il est là. Il s'oppose à tout ce que Dieu a fait. Pour te dire que Dieu a fait là est mauvais. Voici ce que moi je vais t'apprendre. Non. Refuse. Sinon, c'est tout bon côté, tu vas tomber sous la colère du diable. Et Satan, il va être avec toi pour te maintenir sous sa volonté. Et il va te faire n'importe quoi. Et Dieu lui aussi va me rester fâché contre toi.
et le Seigneur va t'abandonner, Satan te tue. Parce que toi tu as suivi le diable. Satan lui il est le dragon. Il est le serpent. Il est le tueur. Il est le tueur. Il n'a pas d'amour en lui. C'est pourquoi vous voyez un homme comme Paul. Voici ce qu'il a dit. Paul, après avoir compris toutes ces choses, nous voyons dans le livre des Romains. Vous avez la Bible avec vous. Ouvrez dans Romains chapitre 8. Du verset 35 au verset 39. Voici ce que dit Paul. Dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou la paix? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je vous invite à vous tenir debout. La Seigneur m'a de Kobalingami. Je vous invite à vous tenir debout. La Seigneur m'a de Kobalingami. Commence par raisonner. Bandana Koukani Sokobaza Baza. Toi qui t'es découragé. Yes, Rikole Bazoto. Parce que le mariage ne vient pas. Prête Libana et Zilikoyate. Maintenant tu veux maintenant te livrer à la prostitution. C'est Satan qui a fait cela. C'est pour le démon t'as fait le bongo. Parce que tu n'as pas le boulot. Tu veux maintenant devenir Kuluna. Tu veux aller donner ton âme au diable en faisant les fétiches. Tu veux entrer dans des loges. Pour qu'on puisse t'embaucher. Non. Non. N'abandonne pas le Christ. Persévère. Persévère. Comme ils ont persévéré. Ils sont entrés dans la gloire. Dans la Paul a dit à Timothée. Paul a dit à Timothée. 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 Mon fils. Mon il faut savoir. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Alléluia. Amen. Applaudissons encore le Seigneur. Tu ne dois pas faire le mal. Et c'est parce que tu souffres. Il faut que j'aille voler. Et c'est que je dois aller voler. Et c'est que je n'en peux plus. Voilà pour que les souper. Il faut que j'aille tuer des gens. Et c'est que je n'en peux plus. Voilà pour que les souper. Que j'aille donner mon corps. Et je vais faire. Tu vas manger. Dans ce que non. Pain. Non. Pain. L'évangile de Jésus Christ. Sans le nom de Jésus Christ. C'est un évangile que la plupart des gens ne comprennent pas. On dit aux gens, tu es délivré, c'est fini. Les souffrances, c'est fini. C'est un faux prédicateur, il est malade. Alors quand tu vas voir des souffrances, on dit non, tu n'es pas bien délivré, donne-moi encore l'argent, je vais te délivrer pour la deuxième fois. Ce sont des enfants du diable. Nous sommes sur cette terre. Nous savons que Satan est là. Il ne nous aime pas. Il ne va pas nous rendre la vie facile. Alors il faut lui résister par une foi ferme. Avec beaucoup de prières. Tu fais des prières. Vous fuyez des prières.
Les jeunes, vous fuyez. Mais voilà que Pilate est optimant. Donnez prier, l'église est ici ouverte 24h/24. Il y a les qui ne viennent pas prier. Voilà que sans de l'église, il y a le fondement. Satan a aussi ses enfants. Et qu'il envoie pour faire souffrir les enfants de Dieu. C'est ce qu'il fait souvent. Il a fait avec Paul. Il a fait avec Pierre. Il a fait ça avec Jean-Baptiste. Il a fait ça avec David. David a souffert. Face au roi Saül, le ressemble au roi Saül, il fuyait partout. Avant de quitter le pays, il s'est caché dans la forêt, dans les grottes, dans ma boule, partout. Le pays de Saül, en fin de compte, la soupe à la soupe, David était devenu qui? Applaudissons fort. David a commencé à aimer le conseil. Si tu persévères, tu vas obtenir ce que Dieu t'a promis. Mais si tu te décourages, Dieu aussi va te rejeter. Parce que tous les enfants de Dieu, même moi que vous voyez ici, je suis passé par là. Et je passe toujours aujourd'hui jusque par là. Chacun de nous va prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Je ne dois plus avoir peur. Je ne dois pas souffrir comme un menteur. Je sais que j'ai abandonné l'impudicité. Je ne vole plus. Je ne manivre plus. Alors, je comprends maintenant pourquoi je souffre. Je ne souffre pas parce que je fais l'impudicité, parce que moi je ne fais plus l'impudicité. Je comprends que c'est le diable qui me fait souffrir. Comme toi tu l'as vaincu, moi aussi, comme tu as dit que nous devons le vaincre. Au prix de ton sang, moi aussi je vais le vaincre. Le côté et si nous tenons d'ailleurs, cela m'a créé la d'après les lignes. Alléluia. Amen. Voilà comment tu vas prier. J'avais commencé à faire le mal. La sœur m'a pas dit que la bête. Seigneur, je ne veux plus faire le mal. Je ne veux plus faire cela. Je ne veux plus faire cela. Je vais me débarrasser de tout ce qui appartient au diable de mon corps. Ma colombe dans cette mangaille, non, chose qui a sa douleur. Seigneur, je veux être comme tu m'as créé. Je vais te plaire, moi, toi seul. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Pardonne-moi. Fais une telle prière. Aujourd'hui. Tu vas sentir Dieu entrer en toi. Je plane.